Comme marqué au fer rouge, blessé à l'intérieur, Mathieu Philidor, militant nationaliste de la première heure, revient devant la cour d'appel. Il espère que l'État sera de nouveau condamné. Avec 9 autres mis en examen, il a attaqué l'État pour faute lourde. En 1998, il est incarcéré 6 mois, puis mis en examen pour complicité après l'assassinat du préfet Erignac. Il restera mis en examen 19 ans. Nous attendons une petite réparation historique, mais ça fait 20 ans. Vous vous rendez compte, si on devait, nous n'étions pas des fonctionnaires, mais des agriculteurs. Nous sommes toujours des agriculteurs, d'ailleurs, actifs. Et c'était un préjudice économique énorme. En 2016, 19 ans plus tard, le juge d'instruction a finalement rendu un non-lieu général. L'année dernière, la justice a condamné l'État pour faute lourde et a versé à chaque plaignant, aux 9 plaignants, une indemnité de 100 000 euros. Mais l'État a fait appel. Maintenant, le débat, c'est de savoir, est-ce que les torts sont partagés? Il est acquis, il n'est plus contesté que l'État a tort, qu'il est fautif. La question, c'est de savoir si les torts sont partagés. Je dis que les torts ne sont pas partagés. Ce n'est pas au justiciable à être comptable des incurries de la justice. Lorsqu'une procédure dure pendant 18 années, tandis que les investigations ont cessé depuis 16 ans, ce n'est pas au justiciable à faire en sorte, à mettre en œuvre des moyens pour que la justice ne se perde pas dans ce genre de méandre. Ce n'est pas le justiciable qui est comptable d'une bonne justice, c'est jusqu'à présent l'État. La chambre civile de la cour d'appel rendra son jugement le 6 novembre prochain.